like the girls with their nails done now. Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 sur Uncharted Drake's Fortune. On avait galéré sur le train juste avant avec des morts complètement débiles, insensées même. Je veux dire inimaginables sur certains points, que le perso saute dans le vide ou que le perso monte tout seul alors qu'il y a la barrière et tu peux pas lui dire juste de monter sur le bord, il monte directement. C'est des petits points comme ça. C'est assez pénible, et j'espère que cet épisode-là, on va essayer de pas mourir. On va faire un épisode sans mourir, ce serait pas mal. Il semble qu'il y en a déjà eu au début. Alors là, il y a un garde, je suppose. Peut-être pouvoir le faire tomber. Voilà. C'est ce que je voulais. Un sniper, nice. C'est ce que je voulais. Ok, je suis dans le rouge. Non mais... Meurs pas. Fais pas n'importe quoi le perso, s'il te plaît. Vous voyez ce qu'il fait, des fois il fait ça. C'est très énervant. Très en avant quand le perso il fait ça. Oula. Ils doivent mettre des machins comme ça, ça va être compliqué. Vous voyez, il m'a à peine mis une balle. Il m'a mis à peine une balle, vous avez vu comme moi, on est d'accord. Je reste concentré, mais un truc de fou. D'accord, donc ici c'était un petit trésor. D'accord, on doit aller passer par au-dessus. On n'a pas le choix. Avec les caisses. Voilà. Ah ben d'un seul coup il neige, n'importe quoi. Snappez-le ! Allez-y ! Flinguez-le ! Et voilà. Ah pas mal de retomber là-dedans. Où tu es, toi? Où est-ce qu'ils sont?
Toi, t'es un peu têtu. Mais je t'en veux pas d'être têtu. Vraiment. Tiens, prenez ça. Cadeau. C'est chiant quand tu peux pas. Et le pire, c'est que tu peux même pas annuler une grenade. C'est ça, c'est dommage. C'est très très difficile cette séquence, elle est incroyablement difficile. Je n'ai plus de balles actuellement. Ça va être compliqué. Ah, le jour qu'il y a deux ennemis comme ça les uns à côté des autres, ça va être compliqué. Hein. Ça va être tendu. Bon. On récupère des armes. Ah, super. J'aurais dû me taire. Mets-toi à couvert. Dis pas que le camion va exploser quand même. Ça a pas l'air en tout cas. Les dégâts qu'il fait. Ah, j'ai pas d'autres armes en plus. Ah. Bah apparemment si. Oh, une tour. Comment je suis censé descendre à... Ah, combattons le feu par le feu. Alors là, je n'ai pas compris. Bon, l'épisode sans mourir, c'est pas pour maintenant. Ce n'est pas pour maintenant. Ah, on doit tirer sur les roquettes. J'ai pas vu ça comme ça. Un instant.
J'ai pas vu ça comme ça en fait, de tirer sur les roquettes. Ça me paraissait infaisable. Oh merde. Non mais y'a du monde ici, pourquoi tu sors? Pourquoi tu sors alors qu'il y a du monde? Je vais te mettre en plein devant. Allez, montre-toi. C'est vraiment tendu. Allez, à main nue. Gak à 40 000 PV MDR. Hop. À main nue. You die. Oups. Tu m'as encore sauvé. Tu vas bien? Descends du train, Nate. Qu'est-ce que tu racontes? T'as une idée de ce que j'ai subi? Je t'ai jamais demandé de jouer les héros à deux balles. Chloé, allez, c'est vraiment pas le moment. T'as raison. Alors descends de ce train avant qu'il soit trop tard. Et je te laisse avec eux. Tu as fait ton choix. Qu'est-ce que tu espérais que je fasse? J'espérais que tu me couvrirais. C'est ce que j'ai fait. Comment t'aurais pu avec les deux autres sur le dos? Pas bonne chance avec Flynn. Les deux font la paire. Enfin, j'arrive. Non. Tu sais jamais quand t'arrêter, pas vrai? Quoi? Pas de petites remarques? T'as plus rien à dire? Harry, non. Non! Non, non, lâche-moi! Arrête! Laisse-le partir! Ah! Ne le laissez pas s'enfuir! Mais dis pas qu'on va faire tout le train en marche arrière maintenant! Vu qu'on est blessé, il est mal en point. Petite grenade, fais sauter le wagon. Bah oui. Croisons les doigts. Chapitre 15, accident de train. Nous revoilà au début. Allez, sois un héros. Sauf Chloé. Génial. Oh ah, qu'est-ce que je croyais? Donc ça, si vous en rappelez bien, c'était le début du premier épisode. Nous voilà au coup, on était censé aller. Oh,
Delta. On peut faire une pause. On rappelle qu'il s'est pris une balle. Ils les font plus comme autrefois. Merde. Ça peut pas être pire. Espérons que ça tienne. Allez, dépêche-toi. Ferme. Faut tirer sur le truc d'essence, je l'ai vu. C'est parti. Moi j'aurais tiré sur le truc d'essence, vois-tu? On peut se la jouer fine ou pas? Ok, on va se la jouer discret si on peut. Oh, une arme en or. Ok, les pommes. Elle est dorée celle-là ou pas? Il était juste à côté lui, fumier. Où est-ce que tu es? Hein? What? Mais où est-ce qu'il est? Et gros frérot, tu me tires à travers le mur. Ah, super. De l'autre côté maintenant. C'est chaud de night.
Oh, lui, c'est pour une mandale. Plus on est de fou, plus on rit. Oh, il tout fait péter. Il est code temps. Alors ça m'étonnerait que vous m'encerclez, hein. Il y en a encore un. Ah oui, il est là-bas. Mais c'est un gros en plus. Ah, c'est un gros. Ouais, c'est un balèze. Ah, mais il y en a deux. Je vais prendre la bonbonne, il me prend le flingue. Tu es espèce d'abruti que tu es, espèce de mongol. Va. Ah, j'ai essayé, hein. J'ai essayé quelque chose, les gars, mais ça marche pas. Apparemment, une bonbonne de gaz dans la tronche ça ne suffit pas. Ah, bah autant mourir autant de fois qu'on peut, hein. Ça, c'est pas grave. Ah, mais... Je sais pas. En fait, ils sont combien? Ils sont 5, 10, 50? Ok, ouais, ils sont, en fait ils sont trois, sauf que tu ne le vois pas l'autre. Enfin, quand une grenade, ça suffit à les tuer, hein. Ah, mais pourquoi pas? Je dis pas non. Ouais, je crois qu'il va, ouais, c'était sûr. C'est fini pour Nathan. Vers le feu, peut-être que ça te réchauffera. Très compliqué, franchement, j'essaie des trucs, j'essaie des choses bien et ça passe pas. Qui c'est lui? Emma, quand la sage tombe sur le terrain. Je disais bien que c'était des Tibétains. Qu'est-ce que je fais là? Okay. Ça fait combien de temps? Ya. Tom. Merci.
du temps gauche, du temps gauche. Non, 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 c'est trop. Je suis désolé, je comprends pas. Quoi? Yalang. Hein? Merci. Ya, tu as des voyages. Ya, chaud. Je fais le carré goût déjà. Chaud. Quand tu as un carré goût déjà, c'est goût déjà. Et où on est là? Chaud. Il y a un chaud. Il y a quelqu'un qui parle français ici? Chapitre 16. Où suis-je? C'est pittoresque. Je vais attendre un petit trésor en fait. Bonjour. Bonjour l'animal. Ouais. Me. Me. Tu parles pas français toi j'imagine. Hein? Je visite les maisons, je ne fais rien de mal. J'étais à la recherche de trésor. Ah, la poule, vous avez un petit problème. Non, c'est bon, c'est réglé. J'arrive. Bonjour. C'est vraiment sympathique. Quoi? On va peut-être retrouver Elena, je suppose. Je peux jouer au ballon? Ouais. On joue au ballon? Viens. Attrape! Renvoie-moi la balle! Allez, à moi la balle! Allez, tire! Oh, c'est vrai que tu mets un gros... Il tire, lui met en pleine tronche, là. C'est très très sympa. Ça change... Faites de la poterie. C'est un art difficile à manier. La poterie, c'est vraiment des heures de patience. Vous avez vu les enfants? Trouvez. Je suis désolé si j'ai des mouvements de caméra dans tous les sens, mais c'est histoire de d'apprécier le paysage. C'est vraiment en bord de falaise. J'ai dû louper des trésors, hein, certainement dans cette zone. Et moi qui pensais que je n'avais plus rien à perdre. Nate! Oh Dieu merci, tu vas bien! T'inquiète pas. Elena, dis-moi que t'as une idée de ce qui se passe. Est-ce que je suis là depuis longtemps? Ça fait juste quelques jours. Je suivais les traces de l'épave. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, t'avais raison pour Chloé. En fait, elle ne cherchait pas vraiment à être sauvée. Est-ce que c'est elle non, qui a... Non, non, c'est à Flynn que je dois tout ça. Chef au goût déjà. Ya, Miagot c'est ça. Viens, quelqu'un est impatient de te voir. Sully. Tiens! Même pas. Notre mystérieuse invitée est debout. Nate, voici Carl Schaeffer. Comment allez-vous? Bien. Merci. Bien, bien. Je vous en prie. Venez par ici. Il semble que nous ayons beaucoup en commun, monsieur Drake.
Vous croyez ? Oui. Il y a 70 ans, je suis venu ici, comme vous, porté jusqu'au village presque mort. Dernier survivant de ma compagnie. Et j'avais été engagé pour mener une expédition au Tibet pour trouver l'entrée de Shambhala. Mais ce qu'il cherchait, c'était la pierre de Shintamani. Alors, mon ami, où avez-vous trouvé ça ? À Bornéo. Pourquoi ? C'est la clé vers Shambhala. C'est le seul objet dont votre adversaire a vraiment besoin, même s'il ne le sait pas encore. Oh, je pense qu'il le sait. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi, vraiment. Mais tout ça, c'est du passé. Alors, vous laissez tomber, hein ? Votre quête est finie. Ouais, c'est ça. Et si ce n'était que le début ? Où est-ce que t'as trouvé ce type ? Croyez-moi, jeune homme, votre ego s'en remettra. Vous avez de la chance d'être en vie. Ouais, je sais, tout le monde me rappelle à quel point je suis chanceux. Mais la vérité, c'est que je détruis tout ce que je touche. Nate... Non, Elena, c'est fini. J'en ai marre de jouer les héros. Votre adversaire n'abandonnera pas si facilement. Il continuera, tant qu'il ne détiendra pas ce qu'il désire. Ah ouais ? Eh ben tant mieux pour lui. Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Certains des dirigeants les plus effrayants de toute l'histoire du monde ne possédaient qu'un seul petit fragment de la pierre de Shintamani. Des hommes comme Tamerlan, Gengis Khan. Si un simple éclat peut offrir un tel pouvoir, imaginez ce que deviendrait un homme s'il possédait la pierre tout entière. C'est de la folie. C'est forcément ce qu'il cherche, Nate. Mais Lazarevitch est complètement dingue, il court après un mythe. Et si tu te trompes ? Non, Elena, s'il te plaît. Oh. Enfin, et si c'était vrai ? On sait de quoi il est capable. Je comprends que vous doutiez. Vous voulez une preuve. Quelque chose que vous pouvez voir de vos yeux. Tenzin, Krungani et Salatigoshi. Trouvez les restes de mon expédition et vous aurez votre preuve. Tenzin vous guidera. Sho. Nyenyam de Sho. J'espère vivre pour pouvoir le regretter un jour. Reviens en un seul morceau. Alors mec, je suis sûr que tu parles pas un mot de français. Vers le pic. Red Dead Redemption, non je déconne, mais ça y ressemble. Eh bien. Ça dit quoi ? Tu t'attends. Pourquoi je demande ? Tu. Tinson ? Je suis pas très fort en charade, l'ami. Coupa, showmaker. Attends. Tenzin ! Qu'est-ce que tu fais ? Chapitre 17 : Alpinisme. Eh bien, les amis, on va s'arrêter là-dessus. Franchement, c'était un peu compliqué. La période de découverte du village du Tibétain était vraiment sympathique. Là, on arrive au pied de cette montagne, avec le pic, normalement, qui est vers là-haut. En tout cas, Tenzin nous attend, et ce sera pour la suite, prochainement. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la cloche pour les notifications. Pour me suivre dans la suite des aventures. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao!